Je suis Karine Viano et je suis écrivaine. En fait, depuis que je suis enfant, à ce qui paraît, je prends les livres de mon père et je griffonne dedans en essayant d'imiter l'écriture adulte. Mais je vous dirais que le déclic s'est vraiment fait à l'adolescence, quand j'ai fait un rêve tellement intense que quand je me suis réveillée, je me suis dit que la seule chose à faire était de l'écrire. Et de fil en aiguille, j'ai aimé l'activité et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 30 ans. En fait, officiellement, je dirais que non officiellement, mon premier livre s'appelait Maxou est en retard. C'est l'histoire d'un chat chien que j'ai dessiné en forme de bande dessinée. Maxou était en retard pour le travail. Donc, c'était à peu près 5 pages qui illustrait toutes les péripéties de Maxou jusqu'au travail. Sinon, officiellement, mon livre que j'ai publié en décembre 2016, mon premier livre s'appelle Achéri. La légende de l'enfant le squelette. En fait, particulièrement, moi j'aime aller écrire le matin quand tout le monde dort encore, quand il fait encore un peu nuit. Je me sens vraiment calme et reposée. Et un peu des deux. Principalement, c'est sûr que j'aime beaucoup l'ordinateur parce que ça va plus vite, puis c'est plus facile d'aller chercher les étapes de correction ou faire des recherches plus rapidement sur l'ordinateur. Mais je vous dirais que mon deuxième roman que j'ai écrit, Le bateau fantôme, a été fait entièrement à la main au début. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à aller chercher un peu plus de poésie, un peu plus de profondeur. Et j'avais écrit ce roman-là quand j'étais en arrêt de travail. En fait, moi je vous dirais que c'est partout. Moi je crois pas à la page blanche. Je crois que des fois on peut arriver à ce que on a pris des décisions dans le roman, puis là, oups, on est bloqué. Ça se peut, parce que mécaniquement ou techniquement, on a besoin de faire un peu plus de recherche. Mais côté inspiration, moi je dis, toutes les personnes que vous croisez, les inconnus à qui vous parlez, au travail, dans la famille, les histoires que vous lisez de d'autres auteurs, vos préférés, tout ça, c'est des sources d'inspiration. Moi, je structure de A à Z, je sais ce qui arrive à mes personnages au début, je sais qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'ils vont réussir leur quête ou ils vont échouer. Mais ça n'empêche pas de rajouter des idées au fur et à mesure quand je trouve que ça pourrait aller mieux ou que ça pourrait mieux coller à l'histoire, les nouvelles idées. Parce que, veux pas, oui, on peut bien structurer de A à Z, mais ça demeure que c'est une histoire, ça évolue, les personnages évoluent. On essaie de rendre ça le plus vivant, le plus organique possible. Donc, il faut se laisser quand même la possibilité de changer son plan. Par exemple, le manuscrit sur lequel que je travaille actuellement, un conte revisité d'Hansel et Gretel, ça fait plus de 6 mois que je travaille dessus. C'est une super de belle histoire LGBT que je suis en train de construire. Donc ça dépend. Moi, je vous dirais que je suis peut-être plus celle-là qui écrit peu de livres par année, mais j'essaie toujours d'améliorer ma qualité. Surtout dans l'auto-édition, il y a beaucoup de choses à voir. Sinon, quand je publie pas beaucoup, je suis sur mon blog. Je suis sur Facebook ou je suis surtout sur LinkedIn. Je vous dirais, écoutez, n'ayez pas peur d'aller chercher des livres qui sont en auto-édition. Il y a des belles choses qu'on rencontre là. On a des façons différentes d'écrire. On est un peu moins sous la ligne directrice d'une maison d'édition. Par exemple, moi, je vous invite, c'est sûr, à venir lire mes livres qui sont disponibles sur Amazon ou sur lulu.com. Sinon, vous pouvez venir directement me parler. Moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer par la poste un de mes livres. Donc, j'ai Achéri, la légende de l'enfant squelette, à peu près 80 pages. J'ai Le bateau fantôme, qui est une centaine de pages. C'est une belle légende qui vient du Nouveau-Brunswick, la légende du capitaine Craig. Ça vous tente d'en savoir un peu plus. Et aussi un livre qui a été autrefois fait en maison d'édition avec ma co-auteure Judith Gagnon. Présentement, on travaille à essayer de le faire en auto-édition.
mais il me reste encore des copies de Douce Romance à Pompéi, qui est deux belles histoires d'amour qui se croisent à deux époques différentes. Donc, je vous invite à venir me parler et je vous invite à lire mes livres. Bonne lecture!